En tant que numéro 1 de la ville de Kinshasa, je suis très touché par la disparition de l'apôtre donc Emmanuel Mbié, qui est le précurseur des églises des réveils dans notre pays. Et j'avoue que j'avais appris qu'il était un petit peu malade, ça faisait un moment, mais on ne pensait pas qu'il allait donc rejoindre la félicité éternelle des sitôt. Alors, je suis de près des activités de l'église de cité de Bethel. Je connais de loin l'apôtre. Je connais également son fils que j'apprécie énormément. Et j'ai tenu à présenter mes condoléances de vive voix, de visu. Et comme la ville de Kinshasa est concernée au plus haut chef du fait que c'est un prince de l'église des réveils qui vient c'est comme une bibliothèque qui vient d'être brûlée, un baoba qui vient de tomber. Alors, on ne pouvait pas rester dans nos bureaux en train d'observer de loin la disparition donc de l'apôtre. Et j'aimerais dire ici que nous serons là les jours des obsèques. Nous allons accompagner le pasteur Moïse Mbié juste pour aller déposer le corps de l'illustre disparu dans sa dernière demeure.